Ça va? Vous vous souvenez de lui? Oui. Le monsieur qui faisait 40, il voulait me taper. Ah ouais. Oui. Feu, 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 feu
Yeah.
Tu nous as fatigués. Tu as un témoignage, c'est bon. Allons-y, ton témoignage. Alors, je me présente d'abord. Ouais, allez-y. Je m'appelle Barry Mohamed Lamine, né en Côte d'Ivoire, mais d'origine guinéenne. Voilà, donc, en fait, depuis ma délivrance, j'ai senti beaucoup de choses qui ont changé autour de moi. Donc, après ma délivrance, je suis venu. Mais bon, dans le temps, j'avais pas vu quelque chose, mais après, je me suis dit, bon, j'attends un peu de voir qu'est-ce qui allait se passer. Et c'est ainsi que, après ma délivrance, d'abord, avant ma délivrance, quand je dormais la nuit, je voyais des chats qui me couraient partout, qui sautaient sur moi, qui disaient, bon, souvent je me bats avec eux, tout ça. Et c'est ainsi que je suis venu ici. Le prophète, il m'a touché, il m'a délivré. Et ça datait de 2005. J'ai été embauché dans une société française à Abidjan. Et c'est ainsi qu'en août, j'ai mon oncle qui m'a appelé, qui m'a dit, bon, il y a la maman de ton papa qui est malade, donc il faut le faire rentrer en Guinée. Donc c'est ainsi que mon père m'a dit, mais je suis venu à l'aventure, j'ai fait 25 ans, 40 ans à l'aventure, j'ai rien. Et comment tu veux que je retourne au pays sans un centime? Et j'ai dit à mon père, bon, j'ai commencé à travailler, j'ai fait des économies, et je l'ai fait rentrer. Et je lui ai payé son billet d'avion, j'ai fait sa valise, j'ai acheté des trucs pour sa mère et tout ça. Et je lui ai donné l'argent de poche, il est rentré. Et il est arrivé, il a vu sa maman. Et c'est ainsi qu'il m'a appelé, il m'a dit, bon, moi je ne vais plus revenir en Côte d'Ivoire, je vais rester en Guinée. Et si tu peux faire venir ta mère et ta grande sœur. J'ai dit, bon, vraiment ce que j'avais. Donc mon salaire qui a suivi, le mois prochain, en août, j'ai fait partie de ma grande sœur. J'étais en France au moment ? J'étais en Côte d'Ivoire. Ah oui. Et c'est là que j'ai fait partie. Et en quelle année tu es venu en France ? Je suis venu, en fait, la société m'a envoyé ici en 2008. D'accord. Pour venir faire un stage. Il faut pas très long salon. Oui. Voilà, allez-y. Donc c'est ainsi que j'ai ramené ma mère et ma grande sœur et toute la famille. Ils ont fait tous rentrer en Guinée. Voilà. Donc je suis resté seul. Et c'est ainsi qu'en 2008, j'ai mon patron qui m'a dit, bon, tu es un bon élément, donc je vais t'envoyer en France pour un stage. Et si ça marche, je te fais la mutation pour que tu puisses résider en France. Et en 2005, en 2008, je suis venu en France, j'ai fait mes 3 mois de stage, je suis retourné à Abidjan. Normalement, la semaine qui suivait, on devait faire tous les papiers et puis je venais rester ici. Et paf, c'est bloqué, ils ont pris mon passeport, mes papiers, tout, ils ont mis dans un armoire, ils ont fermé. Et après, ils n'ont plus parlé de ça et j'ai fait 5 ans à Abidjan. Bon, j'ai essayé de chercher la route pour pouvoir venir. Après, j'ai fait des accidents et tout ça, je suis tombé malade. Et c'est ainsi qu'en 2013, j'ai mon père qui a appelé quelqu'un que moi je ne connaissais pas. Et c'est la personne qui m'a envoyé la lettre d'invitation. Et c'est moi-même qui ai monté mon dossier. Et j'ai dit, bon, je vais essayer à l'ambassade. Et ça a marché. Et dès que je suis arrivé, la dame m'a dit, bon, ce n'est pas la peine d'aller pour revenir. Je te donne le visa maintenant. Là. Donc je suis allé à la mosquée, je suis allé prier, je suis revenu. Vers 14h, elle m'a dit, bon, le fameux visa, il a été accordé. Et je suis rentré en France. Et depuis que je suis arrivé en 2013... J'ai tout fait, j'ai cherché du boulot, j'ai pas eu. Et après, je me suis dit, bon, comme je sais danser, je vais mettre la danse en pratique. Et c'est ainsi que j'ai commencé à donner des cours de danse. Après, j'ai eu un peu de sous. Vous savez danser ? Oui. Vous que j'en ai. Bah, après, j'ai dansé. C'est ainsi que j'ai eu un peu de sous. Je suis allé passer la formation de Zumba. Et ils m'ont donné le diplôme Zumba et j'ai commencé à créer un petit réseau. J'ai commencé à travailler dans des associations, des trucs. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je travaille dans des sociétés où je donne des cours entre midi et deux. Des cours de danse? Oui, des cours de danse. Entre midi et deux. Donc, vous êtes dans danse? Voilà. Donc, c'est ainsi. Et là, en tant que j'avais mal au rein. Là, ici, j'avais très mal et j'avais mal au côte là. Donc, à chaque fois que je finis mes cours, je rentre à la maison, je dis à ma femme, ah j'ai mal là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, donc je prends le bain de karité, à chaque fois je frotte. Et c'est ainsi qu'à un certain moment aussi, j'ai commencé à voir des chats dans mes rêves et tout ça qui se battaient avec moi, qui essayaient de m'attaquer. Et c'est ainsi que la tante Irène Pélagie, en 2000, j'ai vu papa en 2014 ou 2015. Voilà. Et après ça, il m'a dit quelque chose, il m'a dit, prends cette histoire au sérieux.
Et c'est là que je suis allé à Abidjan, à Divo. J'ai fait 2 semaines là-bas. Et ça s'est bien passé là-bas. Je suis revenu. En temps, je cherchais encore toujours du boulot. Et à chaque fois que je suis à la maison, c'est comme si j'étais cloué sur mon fauteuil. Je ne peux pas me lever, même quand j'ai envie d'aller faire. On m'envoie des courriers pour aller régler des papiers administratifs. Je ne peux pas partir. Ou soit après, j'ai mal. Voilà, ma vie était un peu dispersée. Ou soit quand je gagne une grosse somme, tout de suite, il y a un problème qui vient rentrer. Soit il y a ta maman qui est. Ou bien il y a ta grand-sœur qui doit être opérée. Il faudrait que tu règles ça et tout ça. Donc, lorsque papa m'a délivré, ma grand-sœur m'a appelé, je crois, la semaine qui a suivi. Elle a commencé à pleurer au téléphone un dimanche, avant que je vienne à l'église. Elle m'a dit, ah, notre papa est très malade, il est malade. Elle a dit, j'ai dit, mais si tu pleures au téléphone, tu m'expliques rien. Il faut garder ton calme, dis-moi ce qui se passe. Elle m'a dit, non, mais il a trop maigri et tout ça. J'ai dit, bon, moi j'avais prévu dans mon calcul en février, j'allais aller voir mes parents. Et ça fait 14 ans. Presque 15 ans, je n'ai pas vu ma mère et mon père. Et après ma délivrance, ma grand-sœur m'a dit, j'ai dit, bon, ok, j'ai compris, mais je vais voir. Mais par contre, je n'ai pas dit à ma grand-sœur que je venais. Et du coup, je suis resté en prière, j'ai dit, bon, Dieu, si c'est ta volonté, il faut que ça s'accomplisse. Il faut que j'aie le courage de partir. Et cette fois-ci, vraiment, j'ai eu le courage. Je suis arrivé à Air France, je demande le billet, on me dit ça fait 893 €. J'ai dit ok. Je retourne à la maison, je fais ma prière. Je me suis levé à 4h du matin, j'ai prié. Le matin, avant de partir, j'ai dit l'Éternel est mon berger, je ne manque rien. Alléluia! Et j'arrive, le même billet qui était à 893 est descendu à 601 €. Amen! Et la dame m'a dit, vous prenez ou pas? J'ai dit oui, je le prends, j'ai fait le chèque, j'ai payé le billet. Je retourne à la maison, je dis à ma femme, bon, c'est bon, j'ai pris le billet et tout ça. Et il y a une association qui m'a appelé, qui me dit, bon, monsieur Barry, on a un coût, on va vous payer 500 €. Vous êtes d'accord pour 2 heures? J'ai dit, bon, ok, vous préparez le chèque, j'arrive, je fais la facture, je vais retrouver. Et paf, je vais, et en même temps, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, bon, on va vous payer maintenant. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, parce que j'avais besoin d'argent pour partir. Et dans le temps, j'avais déposé, parce qu'à la base, je suis technicien en imprimerie industrielle. Donc, j'avais déposé des dossiers, un dossier dans une société d'imprimerie. Le monsieur, le directeur m'a dit, bon, je vous rappelle. Donc, il a pris les documents, il a mis dans son armoire, il ne parle plus de ça. Et du coup, j'ai fini mon cours de danse dans ma salle. Après, j'arrive à l'imprimerie, j'ai croisé la secrétaire. J'ai dit, oui, excusez-moi, je suis venu voir le directeur. Parce que j'avais déposé mes dossiers, il ne m'appelait pas, il ne me dit rien, il m'a dit bon, le directeur n'est pas là, mais dès qu'il vient, je vais vous parler de lui, et puis voilà, s'il doit vous contacter, il vous contactera. Donc le 23 octobre, je m'apprêtais à prendre ma valise, voilà l'aéroport, et il y a le directeur qui m'appelle, il dit bonjour, c'est monsieur le directeur de l'imprimerie, c'est monsieur Barry, j'ai dit oui, c'est moi. Bon, j'ai besoin de vous maintenant. J'ai dit, ah ben là, je suis en train de partir à l'aéroport. Il me dit, bon, vous partez pour combien de temps? J'ai dit, je vais pour 2 semaines. Et dès que vous arrivez, vous m'appelez. J'ai dit, ok, j'ai compris. Il dit, bon, c'est bon, vous venez. Et puis comme ça, on va voir comment est-ce que je vais voir comment est-ce que je peux voir. J'ai dit, ok. En temps, je suis venu ici, j'ai pris 2 bouteilles d'huile, les 2 dernières bouteilles d'huile. Et lorsque je suis arrivé en Guinée, j'ai croisé mon père à l'aéroport. Qui était malade. Et du coup, dès qu'on a levé la bouteille, j'ai pris lui et j'ai versé sur lui dans les toilettes et il a crié. Why? Donc, en fait, il y a des travaux qu'ils ont fait sur lui. Donc, ça a essayé de détruire. Et il m'a dit cette nuit, j'ai bien dormi jusqu'au matin. J'ai vu les versets sur la cuillère. Oui! Non, en fait, c'est comme s'il avait des. Les crampes. Voilà, il avait des crampes, il touchait le pied. Voilà. Donc, je lui ai dit non, cette huile-là, ça vient de très loin. Quoi. Donc, j'ai pris l'huile moi-même. J'ai prié d'abord. Bon, j'ai pas le droit de prier, mais j'ai dit à Dieu, si c'est ta volonté, je verse l'huile dessus. Il allait dans les toilettes, j'ai pris l'huile, j'ai versé dessus.
Et tout de suite, il a commencé à crier dans les toilettes. Why? 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 Bon. Et c'était le why que ça a donné? Oui, c'est ça. C'est vrai, ouais, ça a donné. Et le matin, je lui ai dit, mais papa, comment t'as dormi? Il dit, franchement, cette nuit-là, j'ai bien dormi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, j'ai tenu vraiment à faire ce témoignage parce que ça fait 14 ans que je n'ai pas vu mes parents. Parce que j'ai été bloqué quelque part. Et par la grâce de Dieu, par la grâce du prophète de Dieu, j'ai dit merci au prophète et j'ai dit merci à sa femme. Amen. J'ai très patiente, voilà, malgré que je l'ai emmerdée, j'ai très patiente et je lui ai dit merci à papa. Vous t'en faites, vous dansez? Je suis dansé. Par le seul unique danseur de l'église. Vous connaissez? Seigneur, merci. Merci Seigneur. Tout le monde, merci Seigneur. Tout le monde, merci Seigneur.